Je suis désolée. Désolée. Pas de problème. C'est quoi, ça? Fais-les sortir d'ici. Monsieur, mais... Mais quoi? Elle dérange nos clients. Elle gâche l'ambiance ici en ayant l'air pathétique. Ce n'est pas vrai. Soit tu les mets dehors, ou c'est toi que je mets dehors. Tu as compris? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous aimerions commander 3 grandes pizzas. Ouais. Je suis désolé, madame. Il y a un problème? Il y a eu une erreur. La table est réservée. Je vais devoir vous demander de la libérer. Mais pourtant, j'ai réservé la semaine dernière. On attend beaucoup d'amis de ma fille. Ce doit être une erreur du système. La table est réservée pour nos habitués. Désolé de ne pas l'avoir dit tout de suite. Dans ce cas, donnez-nous une autre table. Ma fille Alex attend la moitié de sa classe. Le problème, c'est que c'est la seule grande table ici. Écoutez, ma fille attend cette fête depuis des semaines. Elle a attendu ce moment avec impatience. Peut-être que vos invités comprendront notre situation et accepteront une autre table. Non, madame, j'ai bien peur que... Oui, toutes les tables sont occupées. Je suis désolée, madame. Chérie, il y a eu une erreur. Nous devons annuler la fête. Je vais appeler tes amis. Je suis désolée. On va se commander une pizza et regarder Harry Potter. On le fait tous les jours, mais j'aime vraiment Harry Potter. Désolée, chérie. La table était déjà prise. Joyeux anniversaire à moi. Merci, et au revoir. Au revoir. Attendez! C'est incroyable! Ils viennent d'annuler la réservation. T'as entendu ça? Ouais. Tu es sur le point d'avoir une vraie fête. Super. Bon, attendez une seconde. Oh. Voici les amuse-gueules pour celle qui fête son anniversaire et ses invités. Monsieur? Oh, qu'est-ce que tu as là? Harry Potter? Oui, c'est mon film préféré. Regardez. Là. Vraiment? Puis... Wow. Là. Et... Wow. Là. Tu sais, c'est aussi le mien. Quel est ton personnage préféré? Oh, ne me le dis pas. Laisse-moi deviner. C'est... Draco Malfoy. Non. Non? Regardez. Celui qui ne doit pas être nommé? Non, non, regardez. Non. Là. Hermione? Non. Oh, alors j'abandonne. Harry Potter. Oh. Le nom du film Harry Potter. Oui, tu es une fan de Gryffondor. Oui. J'ai compris. Ok, à plus tard. Monsieur, vous devriez vérifier la cuisine. J'ai entendu dire qu'un serveur vole des crevettes dans les salades. Monsieur, on peut parler en privé? Oui, bien sûr, jeune fille. Promettez-moi de ne pas le dire à maman. Je te le promets. Je lui ai menti. Personne ne viendra à ma fête d'anniversaire. Personne ne veut être mon ami parce que je suis... Merci pour tout. Mais je pense qu'on va rentrer à la maison. Ok, stop. Écoute-moi. Tu es génial. Ils ne te connaissent pas encore. Crois-moi, tu vas te faire de bons amis dans la vie. Et pour l'instant, profite de ta fête d'anniversaire. Mais ce n'est même pas une vraie fête. Il n'y a pas d'invités. Je veux juste qu'aujourd'hui, tu sois de bonne humeur. Tu penses pouvoir y arriver?
Alors retourne à ta table et attends tes invités, d'accord? D'accord. Salut, chérie. Nous avons quelque chose de spécial pour la fille qui fête son anniversaire. Tadam! Un marqueur? Ce n'est pas juste un marqueur. Tu n'as aucune idée de ce qu'il peut faire. Ferme les yeux. Ne bouge pas. Regarde! Waouh! C'est très mignon. Il manque quelque chose. Ouais. Ok, attends. Maintenant, tu ressembles à Harry Potter. Et comme Harry, tu dois avoir une baguette. Oh! Est-ce que c'est la fête d'anniversaire pour la plus cool des Harry Potter? Moi, c'est Mia et voici notre fille Terrence. Alex. Salut Alex, joyeux anniversaire. Mia. Merci. Amanda. Maman. Oui. On a quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'un anniversaire sans cadeau, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire. Oh, laisse-moi t'aider. Ok, tu es prête? Ok, et regarde ce que nous avons. Tada! Waouh! Tu l'aimes? Oui, bien sûr. C'est de la dernière collection. Maman, regarde, c'est super cool. Gryffondor. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Bonsoir. Alex, je m'appelle Alex. Oui, en effet. Oh, désolé. Oh, Jayden. Monsieur Jones. Jayden, c'est moi. Écoute, je suis avec mes amis ce soir et nous aimerions prendre une table si cela est possible. Tu penses pouvoir nous aider? Oh, Monsieur Jones, je suis désolé, j'ai peur. Tu sais, nous pouvons très bien attendre au bar ou ailleurs. Monsieur Jones, bonsoir. Je suis désolé, la grande table sera bientôt disponible. Pourriez-vous, s'il vous plaît, attendre au bar? Super, d'accord, nous attendrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De quelle table parlez-vous? Attends une seconde. Très bien, les enfants. La fête est finie. Il est temps de remballer. Mais qu'est-ce que quoi, vous faites? Quoi, qu'est-ce que vous faites? Oh, désolé. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu pensais que je ne reconnaîtrais pas ton fils? Quoi? À quoi rime cette fausse fête stupide? Oh! Assez, monsieur. Assez? Assez de faire la fête pour l'handicapé? Oh! Sors les enfants d'ici et fais une place pour des invités plus importants. Je ne ferai pas ça. Tu ne le feras pas? Non, je ne le ferai pas. Petit, c'est mon dernier avertissement. Tu fais ce que je te dis. Où tu es viré? Je préfère être viré. Pour que cette petite puisse faire sa fête. Quand j'étais petit, je n'avais pas d'amis non plus. Et je ne souhaite ça à personne dans ce monde. Tu comprends ce que tu es en train de faire? Oh oui. Tu sais quoi, Craig? Je pense qu'aujourd'hui est ton dernier jour de travail. Monsieur Jones... Écoute, c'est le pire service client que j'ai vu de toute ma vie. Cette fille a une fête d'anniversaire ce soir. Pour qui tu te prends pour te permettre d'interférer dans sa fête d'anniversaire, hein? Monsieur Jones... Je pense que tu dois partir maintenant et n'interfère pas avec sa fête. Alors s'il te plaît, va-t'en. Merci, Monsieur Jones. Voulez-vous vous joindre à la fête? Ouais, pourquoi pas, puis-je? Oui, venez. Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Joyeux anniversaire. Oh, wow. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est déjà réalisé.